Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée dans le cadre d'un projet départemental de Sévrien. Le théâtre, ça se lit aussi. Nouvel exercice, une légère mise en espace. Les participants, demandez à vos élèves de marcher dans l'espace. Je vous renvoie à une chose qu'on a déjà vue au début de la vidéo. Et un élève va dire une phrase en s'arrêtant. Il reprend sa marche. Un autre élève va enchaîner, dire l'autre phrase. Il reprend sa marche et ainsi de suite jusqu'à la fin du dialogue ou du monologue choisi. On m'appelle Grosse Patate. Ce n'est pas mon vrai nom. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger. Pétard de pétard. Je mange tout le temps. En famille, je mange. Quand je m'ennuie, je mange. Aux anniversaires, je mange. Je goûte tout ce que les autres mangent. Le matin, je prends un sandwich que je plonge dans mon chocolat au lait. Le midi, je finis tous les plats à la cantine. À 4 heures, je goûte. Le soir, je dîne. Et certaines nuits, je me lève pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Je fais des rêves remplis de gâteaux, de pain au chocolat, de crème chantilly. On peut également faire ça de manière plus statique. Vous disposez des chaises dans l'espace de jeu. Vous choisissez toujours un dialogue ou un monologue. Et chacun à leur tour, voilà, les acteurs vont dire une phrase en se levant de leur chaise. Ils se rassoient, c'est au tour d'une autre personne, et ainsi de suite jusqu'à la fin du texte. On m'appelle Grosse Patate. Ce n'est pas mon vrai nom. On m'appelle comme ça parce que j'aime manger. J'aime tellement manger. Pétard de pétard. Je mange tout le temps. En famille, je mange. Quand je m'ennuie, je mange. Aux anniversaires, je mange. Je goûte tout ce que les autres mangent. Le matin, je prends un sandwich que je plonge dans mon chocolat au lait. Le midi, je finis tous les plats à la cantine. À 4 heures, je goûte, le soir, je dîne, et certaines nuits, je me lève pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Je fais des rêves remplis de gâteaux, de pain au chocolat, de crème chantilly. Je mange en cachette, je fouille dans les placards, dans les armoires, à la cave. C'est très embêtant d'aimer manger, parce que même en se cachant, ça finit toujours par se voir. On prend des rondeurs du ventre, de l'estomac, et surtout, on grossit des fesses. On devient tout rond, et votre tête ressemble à un ballon de football. Et quand on court, ça fait badoum. Tout bouge et on est un peu gêné. Alors, une autre possibilité pour un exemple, on va dire, d'accumulation avec montée en puissance. Un premier groupe qui prononce le début d'une phrase en entier. Puis le groupe 2 qui vient se greffer au milieu de la phrase. Et enfin, un troisième groupe qui va arriver en fin de phrase. Si bien qu'à la fin, tous les acteurs parlent en même temps. De l'eau, vieille peau, où on te fait la peau. De l'eau, vieille peau, où on te fait la peau. De l'eau, vieille peau. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors bien sûr, il ne s'agit que d'exemples, de suggestions d'activités pour mener des ateliers de lecture à voix haute. Il faut surtout se laisser porter par le texte, sans le modifier, mais en laissant libre cours à la créativité de vos élèves pour l'interpréter.